bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Je suis ravie de vous retrouver après le plat très particulier de Marina, calamar et haricots. Alors nous, au sommaire, on a tout autre chose. Cara Banchel, les ombres du franquisme, Jean-Yves Gargadenec et Christian Castelli sont nos invités. Ils nous parleront de cette exposition qui se tient en ce moment au Lazare Olandini à Ajaccio. À suivre, les courriers du cœur de Lisa, où elle mène l'enquête sur la maison du bonheur et elle va nous faire découvrir le métier d'architecte par la même occasion. Francine, bonjour, vous nous faites votre révolution musicale. Bonjour, oui, c'est mon crise avec une autre sous plateau d'Insel, mais on va dire Gligononde. Donc vous avez sélectionné quand même quelques chants et puis on verra les reprises. Tout à fait, puis on vous présentera ce qu'est le chant révolutionnaire. Et ça détonne donc. Et à 13h à suivre, phobie, gérer et vivre avec. On va vous expliquer comment faire. Et surtout, si vous voulez réagir ou partager vos phobies, vous pouvez déjà le faire sur les réseaux sociaux et sur le Facebook de François Corse VST. Tout à fait. Alors, je vous le disais avec nous, Jean-Yves Gargadenec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe. Vous êtes donc l'homme qui a réalisé ces clichés merveilleux qui sont exposés en ce moment au Lazaret. À côté de vous, Christian Castelli, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président de l'Amicale des Corses de Montpellier. Oui, c'est ça. Et c'est vous qui avez ramené tout ça dans vos valises pour pouvoir faire découvrir le travail de Jean-Yves aux Corses. Voilà, surtout la Corse nous a accueillis comme toujours. Voilà. Et donc on est très, très heureux et très fiers. Alors, Cara Banchel, on ne sait pas forcément ce que c'est. Jean-Yves, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Cara Banchel, c'est la prison voulue par Franco. Et après la guerre d'Espagne, Franco a voulu une prison emblématique et surtout très écrasante, puisqu'elle faisait 25 hectares. Et donc, c'est pour moi, c'était un symbole de la répression du franquisme en Espagne et qui a perduré jusque dans les années 2000. Quoi. Donc c'est un sujet très particulier, très dur. Comment vous avez eu l'envie de vous lancer dans ce projet ? L'envie, c'est que j'avais lu dans El País l'histoire de Cara Banchel et surtout, on ne savait pas ce que Cara Banchel allait devenir. Est-ce qu'on allait garder Cara Banchel pour des raisons de mémoire, ou est-ce que Cara Banchel a été détruit pour un projet immobilier? Et en fait, en 2006, j'ai fait une demande, j'ai eu l'autorisation de filmer Cara Banchel, et j'ai commencé cette histoire-là en pensant que j'allais filmer qu'un mois. Ouais. Et en fait, après avoir filmé et fait des photos sur Cara Banchel, ça a duré pendant 6 ans. Ce que je voulais savoir, combien de temps ça a pris. On a la chance d'avoir quand même quelques images, des photos qui sont exposées, donc on va apprécier votre travail. Donc 2006, le projet démarre. Oui. Ensuite, exposé à Perpignan, entre autres. Il a été exposé, entre autres, à Paris, à la Maison européenne de la photographie, à Perpignan, dans d'autres lieux, au Crac de Sète. Et maintenant, il se retrouve au Lazaret. Ajaccio. Voilà. Alors, il y a... Oui, c'est le cas de le dire, ça voyage. Il y a, donc 2006, une anecdote sur un cliché qui est finalement le premier. Donc j'espère qu'on peut le voir. Et vous aviez envie de nous raconter l'histoire de cette photo. Alors des histoires, j'en ai plein par rapport à Cara Banchel. Mais ça, en fait, quand j'avais eu l'autorisation de travailler pendant un mois, puisque c'était le ministère de l'Intérieur espagnol qui avait l'édifice, il m'avait donné un mois pour photographier le lieu. C'est 25 hectares, c'est déjà peu pour arriver à faire tous les clichés. Et comme j'étais à la chambre photographique, il me fallait du temps pour faire les photos. Vous avez dit, c'est bon, j'ai le temps quand même. J'ai le temps, mais en fait, le premier jour de travail, après le ministère de l'Intérieur, me dit, en fait, vous aurez qu'une journée. Et terrible. Je me suis dit, ça va être très, très dur. Et j'ai fait cette photo-là parce que pour moi, c'était d'emblée la plus emblématique. Ouais. Elle parle, on est limite de la folie avec toutes ces affaires jetées sur les grilles de protection. Et après, je suis retourné au ministère de l'Intérieur espagnol et j'ai expliqué mon cas et du coup, ils m'ont donné un mois. Autrement, j'aurais eu que cette photo, en fait. Il était rond. Alors, même si elle est très belle et lourde de sens, pour moi, elle est très forte parce qu'elle a un lien historique et
Et photographiquement, pour moi, elle est très forte. Pas parce que je l'ai fait, mais parce que je la ressens comme ça. Quoi. Alors, pour faire une expo, ça n'aurait pas suffi. Hein. Seul cliché, heureusement, vous en avez beaucoup d'autres. Donc, en ce moment, exposé au Lazaret. Si je puis dire, c'est une prison exposée dans une ancienne prison. Il y a une mise en scène qui est très particulière. D'ailleurs, on a un croquis. Oui. Qui peut nous permettre de comprendre. En fait, à chaque fois que je constitue une exposition, comme il y a beaucoup de matière par rapport à Carabanchel, comme je disais, j'ai travaillé pendant 6 ans, j'essaye d'épouser les lieux et au niveau architecture, de donner une dynamique. Ce qui fait que les 4 cellules, les 4 salles, ouais, je les ai constituées pour avoir une narration qui soit propre, même si c'est toujours la même histoire, j'essaye de... d'avoir une progression et d'avoir une ouverture qui fait que les gens qui ne connaissent pas cette histoire rentrent et se posent des questions à la sortie de l'expo. En tout cas, c'est mon souhait. D'accord. Alors Christian la connaît bien, lui, l'histoire. Oui, complètement. Excusez-moi, je suis curieuse. Mais vous pourrez aller à l'exposition française, ça dure jusqu'au 23. Et dans le montage, c'est la première fois que je monte l'histoire d'Antoria del Pinar, qui est sur l'histoire des fosses en Espagne, donc la répression. Et là, j'ai fait vraiment un montage que je n'avais jamais montré avant. Ouais. Et à chaque fois, comme je vous dis, chaque exposition mérite... une narration différente. Une narration différente, ouais, une appropriation du lieu. Même si le fond reste le même. Alors, Christian, vous la connaissez bien, cette exposition, puisque vous avez un rôle particulier. Donc, vous allez effectivement ouvrir le vernissage le 17, mais pas que, présenter l'expo. Pas que. Oui, ça existe parce qu'il est là et puisqu'il a fait de belles photos et qu'il a. Sinon, ça n'existerait pas. En fait, cette exposition, c'est libérer une parole qui était ensevelie. En fait, puisqu'en Espagne, j'ai appris à l'occasion donc des photos de Jean-Yves et de l'expo, c'est qu'en fait, plus personne ne parle de ça. C'est comme si cette mémoire était oubliée et qu'elle était ensevelie. Et donc, c'est l'occasion de donner vie à cette parole et de faire en sorte qu'elle ressurgisse. Alors, Christian, mais vous avez un rôle particulier quand même. C'est vous qui l'amenez ici, cette expo. Oui, alors... Assumez. Bon, alors j'assume. Oui, en fait, j'ai fait le passeur, quoi. Bon, comme je fais d'habitude, j'ai essayé de tisser les fils et les liens pour que ça ait lieu à Ajaccio. Et j'avais envie, en fait, de... Ça fait un moment que j'ai envie qu'une action que l'on fasse soit ici, en Corse, pour montrer en fait que la communauté de destin, elle est de partout et qu'elle vit et elle vit bien. Voilà. Alors Christian, avant d'en savoir davantage sur l'expo, on va jouer avec nos téléspectateurs. Francine, vous avez question dans votre domaine de prédilection, à la chanson. Io vi propongo di sta sente sa oggi che non conosciamo tutti oramai, con una canzone chiamata Le prisonnier, stiamo a sente. Mamma si ne muore, perdona mio mamma, ti batti tanto male. Vous retenez de chanter, c'est ça? Ah là là. Alors, donc, Christian connaît ses classiques, hein, si vous avez tendu l'oreille. Écoute, donc, la domanda è semplice, j'ai qual è chi canta sa magnifica canzone? Alors, se vai avere la risposta, giocate pure con noi a 0800. 00 09 100, da vince oggi torna a due piazze per un festival di magia che si tennerà al Lazaret al Baladino in Ajaccio il 18 e 19 novembre che viene e di noi su ischietto di Pierre Gambin albe sistematiche da vince dunque oggi chiamate Gibourg. E poi d'ailleurs on recevra l'illusionniste sur le quel plateau demain, elle parle très très bien, notre merci. Francine. Eh bien, vous savez quoi, vous allez continuer à nous parler. On poursuit d'ailleurs en musique. Vous nous avez fait une sélection des chants révolutionnaires. Tout à fait, ma chère Célia. Donc, le chant révolutionnaire a été créé pour galvaniser les foules et les rallier à un mouvement défendu, n'est-ce pas? Donc, c'est une façon d'exorciser la peur et la colère contre la répression, le pouvoir totalitaire. On pourrait presque parler de thérapie de groupe assoiffée de liberté. Donc, une chanson entraînante peut capter l'esprit des mouvements politiques, mais est-ce qu'elle peut réellement changer le monde? Donc, certes, une chanson, elle seule, ne peut changer la loi ou renverser un régime, bien évidemment, mais peut avoir une influence importante sur la situation et même indirectement
sur des changements concrets. Donc je vous cite l'exemple de cette marche vers Washington, conduite par Martin Luther King. On va écouter une petite chanson qui s'appelle, une grande chanson désormais, We Shall Overcome de Pete Seeger en 1957, qui a quand même été entonnée par 25 000 voix. Écoutez. Alors, chic. La sélection de chants révolutionnaires. Tout à fait. Alors, je vous parlerai d'abord de donc a nueva canzone è stata assai in dei movimenti sociali a Portogallo, in Spagna e in Argentina negli anni 70 e 80. Certi artisti si sono visti lampa fora da uso paese per aver palesato il suo intimo in canzone. Voglio per esempio, bon, la lista è veramente lunga, la dubbia di due. Hein. Oui, parce qu'il faut, voilà, il faut quand même confier que vous avez eu beaucoup de mal pour faire cette sélection. Oui, perché chi voulait parce que ça vous tenait, voilà. Mica possibile. Donc, per Uscili, saranno donc Iquila Paiun, che noi vediamo avoir un suo ritratto magnifico. E per l'Argentina, sera Mercedes Sosa. Donc en 1968, le catalan Luis Llach compose l'Estaca. Donc c'est le pieu. Il ne pouvait imaginer les conséquences de cet hymne, vous pensez bien. Il parle du père Cizé qui veut se débarrasser d'un pieu qui empêche donc qui nous prive de nos libertés en quelque sorte. Un pieu bien pourri sans le nommer Franco. Ça, ça vous parle. On écoute un extrait. I molt de temps no pot durar. Sa cuca tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà. Sa cuca tomba, 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 i ens podrem alliberar. Forcément, oui, celle-ci a été... On soulignait qu'on pouvait voir le drapeau républicain espagnol. Tout à fait. Donc, c'est un pieu qui trouvera d'autres échos dans le monde, bien évidemment. Et un canto viderador, e per biadiaso musica e di uso ribilio, en cusiagant sa canzone a un berço abbastanza mozzo, che l'usiaganta d'usolo in gruppo, ferma assai pudente. Donc, per fare lei a qua nostra gorsiga, è stato un gruppo idia madialesia a ribilial, e si è ridiamad cadena. Ascoltemone un ridaglio. Ça me donne envie de chanter à moi aussi. PMP, toi, vous les connaissez ces chansons? Évidemment. Oui, tout à fait. Oui. Mm-hmm. Enfin, je connais plus la chanson corse. La version corse. Alors, un autre français. Oui, ma chère Célia, cette fois-ci, ça sera la version soviétique. Alors, le chant des partisans de l'amour. Pourquoi je précise cela? Car à ne pas confondre avec le chant des partisans. Hymne à la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce chant fait référence à la Révolution russe. Elle a été popularisée sous le régime soviétique par les chorales de soldats. Donc on écoute le chœur de l'Armée rouge. Si vous dites ça, je vois, ça marche. Et donc, Serrano ritorna a idioma dialese a cantarla, chiamandola o partigiano. Ascoltiamo una donna, un ridaglio. Tra di mugge di silenzi, niente se passo a vogali, si è pisa dalla oggi, di riposo. Révolution,
de l'évolution, on est en plein dedans. Alors, compierremo donc cu Antoine Tiosi, un autre grand terrino que nous présentons au bio, qui a échoué de un disquette, Canti di Libertà, in due l'oribile un ebog, di Canti rivoluzionari. Bon, alors, pour marquer une petite pause après cette révolution, je vous propose de retrouver Lisa pour ses courriers du cœur. Alors, Lisa, c'est notre chroniqueuse, c'est affectueuse blonde. Elle reçoit des lettres et elle mène l'enquête sur la Maison du Bonheur. Vous allez voir que par la même occasion, elle va surtout nous faire découvrir le métier d'architecte. On la suit. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is love beyond crochet. Un service spécial a été mis en place pour répondre à vos interrogations amoureuses. Il suffit d'envoyer vos lettres roses au courrier du cœur et nous, enfin moi, y répondons sous les plus brefs délais. Aujourd'hui, on ouvre la lettre de Philippe. Chère Lisa, je suis fraîchement en couple avec Marie, félicitations Philippe, et j'ai envie d'enfermer à tout jamais notre amour en lui construisant la maison du bonheur. Mais comment faire? Allez, suis-moi, j'ai quelqu'un à te présenter. Je te vois bien là avec ton marteau et ta planche de bois essayant de construire ta maison avec tes mains. Mais je t'arrête tout de suite. Allons voir un professionnel du métier en la personne de Léna Pantalacci, architecte. On connaît le métier d'architecte, mais au final, pas tellement. Donc j'aimerais bien qu'on détaille un petit peu aujourd'hui quelles sont les missions véritables d'un architecte, si tu veux bien. L'architecte est la personne qui va guider le client du début de ses démarches, de quand il va acheter le terrain, pendant la conception de l'ouvrage, dépôt de permis de construire, consultation des entreprises et tout le suivi de chantier jusqu'à la réception. L'idée, c'est de travailler main dans la main avec le client, mais aussi les entreprises. Il faut savoir faire confiance aux entreprises. Et si on peut leur faire confiance, le projet se déroule bien. Parce qu'eux aussi vont faire au mieux pour qu'on reste dans le budget, pour que tout soit aux normes et pour que tout avance bien. C'est un véritable rapport de confiance, en fait, avec l'entreprise. Exactement. Voilà, l'architecte doit avoir confiance dans les entreprises avec lesquelles il travaille et inversement. Quelle est la journée type d'un architecte ? Toutes les journées qui passent sont toutes différentes. Donc des fois, on va plus rester à l'agence pour dessiner, pour concevoir les projets. Et on va plus avoir des visites de chantier parce qu'il y a tout le temps des surprises sur les chantiers, des choses, on ne peut pas tout décider en amont. Donc on va avoir des surprises dans le neuf et encore plus dans la rénovation. Et ensuite, il y a les rendez-vous avec les clients. Donc, il faut prendre le temps de les connaître pour dessiner là où ils vont vivre. Donc ça prend beaucoup de temps aussi. Et puis, et aussi beaucoup de rendez-vous avec les administrations pour avoir les autorisations, les pompiers, la mairie et tout ça. Est-ce qu'on peut estimer un petit peu le temps d'une construction? Du jour où on vient vous voir jusqu'à la fin où on a les clés en main? Ça dépend pour le type de projet. Donc en temps d'étude, pour une maison de 170 mètres carrés, on va dire qu'il faut à peu près 2 ans. Voilà, 8 mois d'études. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce couloir. Viens, entre, c'est ta chambre à coucher. À ta place, je l'enlèverai pas, c'est un poster porteur. Alors, Flandino. Et si on décide de le faire tout seul, est-ce le désastre assuré? Ah zut! Ça dépend. Ils peuvent ne pas. Ça peut se passer bien, mais c'est un peu le loto. Voilà, c'est un peu le loto. Parce que c'est un métier. Architecte est un métier. Et le suivi de chantier aussi, c'est un métier. Donc pas tout le monde peut faire un suivi de chantier. Et les entreprises, parfois, il faut savoir aussi choisir les bonnes entreprises. En fait, faire appel à un architecte, ça évite peut-être beaucoup d'ennuis. Voilà, faire appel à un architecte, c'est s'offrir une tranquillité, un gain de temps et savoir aussi avoir une vision de là où on va dans le projet. Une vision de coût, une vision de... On s'offre la tranquillité, voilà. Alors on choisit son architecte co-feeling, parce qu'après c'est une aventure, c'est des heures au téléphone, des Skype, des rendez-vous, des engueulades. Donc c'est vraiment, ça devient quelqu'un de très proche. On rentre dans la vie des gens, on rentre dans leur famille, donc c'est vraiment que du feeling. Voilà.
Alors moi j'ai choisi, je vais prendre celle-ci, la maison. Ou alors celle d'avant. Enfin, je sais plus, c'est trop dur de choisir. En tout cas, si vous avez un projet de construction, n'oubliez pas architecte. Et on le choisit au feeling, c'est ça. Eh bien moi, j'ai eu le coup de cœur pour le mien parce que celui-ci est vraiment de talent. À bientôt. Bientôt, Lisa. Messieurs, si vous avez envie d'avoir un petit pied-à-terre, maintenant vous l'avez bien compris, il faut la faire... La cuisine est un peu petite. Un peu petite. Alors, on rappelle, Christian, vous êtes le président de l'Amicale des Corses de Montpellier. Vous, Jean-Yves, vous êtes le photographe qui a réalisé l'exposition Carabanchel. Vous êtes breton-corse, si je ne dis pas de bêtises. Oui, breton-corse. Ouais. D'accord. Alors, des Corses à Montpellier, Christian, on ne sait pas forcément qu'il y en a beaucoup, à l'inverse de Marseille ou Paris. On sait que la diaspora est importante. On est moins qu'à Marseille, quand même. Hein, c'est... Mais vous êtes quand même nombreux. Alors, on pense qu'il y a 3000 Corses à peu près à Montpellier. Donc, et l'Amicale attire 190 familles, ah, quand même. Des Corses et des amis de la Corse, hein, puisque bon, on est ouvert. Donc voilà, et c'est une association qui est assez vieille. Elle date du début 1901, quoi. Ah oui. Donc elle est très vieille. Il y a eu des Corses très importants qui ont été présidents de l'Amicale. Il y a eu l'oncle de, je pense, d'Émile Zuccarelli, qui a été maire de Montpellier. Ouais. Et donc, il y a eu aussi un autre maire corse, Antonelli, qui était un grand doyen de la faculté de droit de Montpellier. Alors, c'est marrant, parce que pour arriver à la mairie de Montpellier, maintenant, vous passez par le pont Zuccarelli et l'avenue Antonelli. Simon Delnoy, Simon Delnoy. Je ne vais pas me présenter en politique, donc... voilà. Alors, l'exposition, c'était l'occasion de faire venir les Corses de Montpellier tout à Ajaccio. Tout à fait. Et de garder le lien. Garder ce lien. Alors, on a une belle amicale parce qu'en fait, il y a toutes les phases d'âge. Il y a des jeunes étudiants qui nous rejoignent. Donc, on a une équipe de foot. Donc, je les salue. On a des trentenaires, des entrepreneurs, des quarantenaires. Et puis, bon, des sexagénaires comme moi. Et donc, on a beaucoup d'activités culturelles. On a beaucoup d'activités. Merci. On a beaucoup d'activités culturelles. Et en fait, c'est cette activité culturelle qui a donné un coup de fouet à l'association. On s'est résolument tourné vers la Corse. Et on refuse d'être une association qui reste ancrée sur une Corse rêvée d'autrefois. Ouais. Mais vraiment, la Corse d'aujourd'hui, telle qu'elle est. Et donc vous faites beaucoup de choses là-bas. Beaucoup de choses. Voilà. Alors, vous savez quoi, Christian, on fait beaucoup de choses ici aussi, mais ça va dépendre de la météo. Et ça, c'est vous, François, qui allez nous donner des pistes. Alors, à Odio, d'un peu bello, hein, assicurate. Bon. Donc, ci saranno niuli abbastanza vasti in neolidanta o lidorale occidentale, ma si può dire che a giornata sera ella a sulla nananta tutta l'isola, o entro l'uso fiera di maniera più debole, ma sempre presente a Levante, sud Levante. Pur se l'uverma presente, ne ho che di univasio, e in deus utana ciu Levante, ed imperadure leso, so dolce, tra sede e di giottura di allora. Se posi de da e barte, di Wastia, poi erede dunque in un quadro di 29esima giornata di un cinema spagnolo e ladino-americano, andò allo studio cinema e vede Carmina, un film di Paco Leox in la versione originale, a 6 ore e mezzo di sera, e poi se così di qui in Ajaccio, l'amica Iacini, passionati di volley, ci sarà una partita stasera a 8 ore a un balladino tra la squadra di un GFCO Ajaccio et que la Narbonne. Écoute. Francine, à fond la caisse parce qu'on a un petit peu de retard dans l'émission. Voilà, on vous dit tout. On voulait revenir sur Carabanchel et les ombres du franquisme. Pardon. Il y a deux films qui vont être également projetés à l'Assemblée de Corse. Oui, dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse. Oui. Donc c'est lourd de sens. Oui, le choix du lieu. Tout à fait. C'est très symbolique puisque la parole qui se libère dans l'Assemblée de Corse, c'est quelque chose de bien. Et aussi témoigner d'une souffrance d'un peuple dans l'Assemblée de Corse aussi, c'est lourd de sens. Alors, il y a deux films, Te sacaré de aquí, abuelo, Je te sortirai de là, grand-père. Voilà, qui raconte une histoire particulière, je vais vous laisser le faire à ma place. Oui, alors si jamais tu rajouteras, c'est l'histoire d'un cimetière qui, malheureusement, accueille les victimes et leurs bourreaux, indifféremment. Donc le cimetière où est enterré... sont enterrés victimes... Franco et Primo de Rivera, qui était le créateur des phalanges, en fait.
Et donc, c'est Montse Armengou qui est le documentaire. Et elle veut sortir son grand-père de ce... Non, c'est une personne qu'elle suit qui est dans la quête de sortir son grand-père de là en se demandant pourquoi on l'a mis là quasiment de force. En fait, comprendre. Ils ont tué deux fois les républicains. C'est comme s'ils étaient tués deux fois. Le second, Los Caminos de la Memoria, les chemins de la mémoire, c'est José Luis Penafuertes. Merci, vous le dites mieux que moi. On va regarder quelques images très très rapidement. Et vous nous direz deux mots ensuite. Ils sont là, les deux. Españoles. Franco a muerto. No eran bandidos y a todos los que mataron que están en las fosas no había bandidos ahí, había gente honesta, labradores, pero nos quitaron toda la casa, todo. España, ¡hurra! España, grande, España. Bueno, la memoria de España, la memoria histórica, la memoria colectiva, es una memoria terrible. La memoria de la guerra, la memoria de las familias divididas, la memoria de los muertos, la memoria de las represiones, la memoria de las cárceles, la memoria del hambre. La memoria es terrible. Donc on terminera l'émission avec les images de ce documentaire. Ça a filé aujourd'hui. On rappelle Carabanchel, les ombres du franquisme au Lazaret, Ajaccio, jusqu'au 23 novembre. Ouais. On pourra apprécier donc votre travail et vos photos. Si on veut plus d'infos sur l'amicale des Corses de Montpellier, les adresses se sont affichées. Je vous remercie tous les deux d'être venus. Francine, vous restez avec moi parce qu'à 13h, on va parler des phobies. Comment gérer et vivre avec? Je ne sais pas si vous avez des phobies, vous ne voulez pas le dire, vous n'avez pas peur des souris, des araignées? Quelques-unes, mais bon, j'ai l'air de répondre. Voilà, vous savez quoi, il faudra suivre. Voilà, il faudra suivre. On vous dira comment faire pour gérer. Si vous voulez réagir et partager vos phobies avec nous, vous pouvez le faire sur le Facebook de Viastel ou nous appeler en direct au 0800 3x0 900. On se retrouve tout à l'heure après le journal de Stéphane Houchette. Merci. Merci. Merci.